Alors nous sommes au bastion de la table ronde à la table de grâce, au site de grâce, table de grâce, et on va continuer à parler à tous les personnages du bastion parce qu'on est toujours à la recherche de où est passé frère Corwin. Donc je parle à tous les personnages un à un, histoire d'essayer de trouver si quelqu'un va pas me dire où il est parti. Find the Albino. She hides in a cave to the west of the Lascaux. She knows the location of the medallion's count. There are four more. Nicola of the Halig Tree. His twin, Melanie. Luna Princess Rahan. Rani is said to have saw here at the hold. If you should learn anything, I'll trade your findings. We both desire to stand before as such. Ok. Rien d'intéressant à part le médaillon là, certainement pour ouvrir l'ascenseur. Bon, ben, j'en ai plus vraiment besoin, donc je ferai ça tout à la fin, juste pour voir où il était. Alors, elle, je leur ai déjà parlé, ça ne donne rien. Il y a encore lui ici au bout. On va lui parler, on va bien voir si c'est quelque chose. Ah. Donc, je pense que lui se trouve dans la prison. Donc, je vais vous montrer. Voilà, tac tac. Alors il parle d'une prison sous la capitale et j'ai découvert une prison. Alors ici, je l'ai pas encore faite, mais ici vous avez la prison souterraine des parias et c'est probablement là qu'on doit aller le libérer. Donc encore une chose de faite. Alors, on va aller maintenant. Donc, ici, il n'y a plus beaucoup de PNJ. Ils se sont tous barrés, ce qui m'embête un peu. Ici, je crois qu'il y a encore un PNJ. C'est Roger. Quelque part par ici. Ah, il y a un PNJ ici. Bah, c'est Roger, je crois, hein. On va lui parler, on sait jamais. Bon, ben. Je crois que c'est mal barré. À part Gémir, il fait pas grand-chose. Ok, bon. Sauter là, je crois que c'est pas une bonne idée. Ouais, on sait de toute façon revenir. Je sauterai bien là après pour voir s'il y a quelque chose en bas. Mais je pense pas. On a quasi fait le tour. Il n'y a plus personne. Ici, il y a les deux, on a fait. Il y a là-bas en bas encore. Là-bas, on est allé. Il y a ici en bas. Alors, allons d'abord par ici. Il n'y a personne. La porte ici. On peut pas l'ouvrir. On va aller là-bas au bout. Bon, j'ai déjà ouvert. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit, mais on sait jamais. Je ne vois personne. On va aller par ici. Et je ne vois personne non plus. Bon. Ok. Bon, mais j'ai aucune idée d'où est passé frère Corwin. On a appris qu'une seule chose, c'est l'endroit où se trouve. On va quand même encore une fois aller voir là par acquis de conscience. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien du tout. Comme d'hab dans Elden Ring. Je ne sais parfois pas comment on fait avancer les quêtes, hein, j'en ai aucune idée. Donc je ne sais pas où est parti Fia, je ne sais pas où est parti frère Corwin. La seule chose qu'on a appris, et je vais encore la résumer, la seule chose qu'on a appris, c'est ici. Donc la seule chose qu'on a appris. Bon, je me répète, c'est que ce personnage-ci, je vais essayer de voir son nom. Voilà. La seule chose qu'on a donc appris, c'est que ce personnage-ci se trouve probablement dans la prison qui se trouve sous l'Endel et qu'il faudra aller le libérer là-bas de son enveloppe charnelle, donc le tuer à mon avis. Voilà.
Il se trouve ici, à mon avis, dans la prison souterraine des Parias. C'est la seule chose qu'on a appris. Voilà, je vous dis merci. Je vous dis merci et à bientôt.